Bonsoir tout le monde. Merci à tous ceux qui sont parmi nous cet après-midi pour cette heure de discussion sur l'agriculture et le secteur agroalimentaire algérien. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de discuter, de vous présenter un peu quelques caractéristiques du secteur agricole, essentiellement les éléments de croissance et les éléments qui intéresseraient les opérateurs français. J'interviendrai dans un premier temps à travers une petite présentation de 15 minutes, suite à quoi je vais peut-être donner la parole aux panélistes qui sont ici présents avec nous. Il s'agit de M. Boussouf, qui est un investisseur algérien, grand producteur laitier, qui va un peu nous parler de la filière lait en Algérie d'une manière générale, mais à travers aussi son cas et à travers ces exemples multiples d'investissements, coopération avec les Français et autres partenaires internationaux. On donnera par la suite la parole à Hassan Mili, qui est représentant du Conseil interprofessionnel de la filière céréale, l'une des principales filières en Algérie, sur laquelle l'Algérie a beaucoup aussi de défis et sur laquelle le challenge est important. Il nous dira également à travers le point de vue du Conseil des céréales sur la filière, ses enjeux et ses perspectives de développement. Je commence donc par vous présenter à travers quelques chiffres. Beaucoup de choses ont été dites ce matin sur le secteur agricole, sur un peu son rôle dans la croissance d'une manière générale de l'économie algérienne. Effectivement, les 20 dernières années, le secteur agricole est devenu une sorte d'élément, un pilier de la croissance, un levier, je dirais, important de la croissance agricole. Avant d'arriver à ça, j'aimerais bien partager avec vous quelques, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Algérie et qui ne connaissent donc pas bien un peu de quoi il s'agit quand on parle d'agriculture en Algérie, c'est essentiellement 8 millions d'hectares de terres cultivables, cultivées, terres arables, dont l'essentiel de ces terres sont des terres privées, 6 millions sont des terres privées, le reste des terres publiques. Il y a 1,5 million de terres irriguées. Les statistiques que j'ai mis ici, c'est un peu dépassé. C'est donc 1,5 million de terres irriguées. Et c'est dans ce secteur irrigué que se fait le plus de croissance dans le secteur agricole. C'est le secteur aujourd'hui moteur de la croissance de l'agriculture algérienne. Et on a aussi des réserves foncières qui sont considérables, qui s'étendent d'abord sur quelque chose comme 30 millions d'hectares de terres de parcours situées dans une zone agroclimatique semi-aride, où il pleut entre 300 et 150 mm. C'est la zone de l'élevage par excellence, mais il y a aussi émergence d'une agriculture irriguée qui reste encore réticulaire, un peu éparpillée, mais c'est pas très, très développé. Mais il y a aussi un grand potentiel de terres potentiellement aptes à l'agriculture dans le Sahara. Pour l'instant, on estime cette réserve foncière dans le Sahara à quelque chose comme 3 millions d'hectares, mais les prospections sont encore en cours. Mais sur ce secteur agricole, ce secteur agricole est structuré autour de 1,6 million d'exploitations agricoles de taille relativement moyenne d'une manière générale. Il y a émergence maintenant de catégories de grandes exploitations, mais la plupart des exploitations sont de taille petite et moyenne. Alors il y a un autre élément que j'aimerais bien souligner, c'est le potentiel hydrique qui se trouve dans le sud, qui constitue aujourd'hui, si vous voulez, l'élément le plus important de la croissance agricole. Une partie de la croissance agricole réalisée, j'avais dit tout à l'heure qu'elle se fait dans les zones irriguées, mais c'est essentiellement dans le sud que ça se fait, dans le sud du pays, où il y a un potentiel hydrique immense qui est estimé à peu près à 50 000 milliards de mètres cubes, sur une capacité d'utilisation sur plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et puis, il y a aussi un élément, je tiens à le préciser, je ne me suis peut-être pas présenté au début, je suis enseignant-chercheur, je suis agroéconomiste, professeur donc d'économie agricole à l'école d'agronomie d'El Harrach d'Alger. C'est une vieille école d'agronomie qui date de 1905. Et donc, je me dois de dire que l'un des éléments importants, l'un des points de force de l'agriculture algérienne, c'est les agronomes que forme le système universitaire à travers les écoles supérieures, mais aussi à travers les différents département des universités où on forme des agronomes. Donc aujourd'hui, nous avons chaque année des centaines d'agronomes qui sortent dans différentes disciplines des sciences agronomiques.
et qui, pour certains, nécessite peut-être une petite mise à niveau, mais globalement, ça fait de la force de travail compétente et capable de porter l'enjeu et les investissements importants que le secteur agricole est en train d'engager. Alors, les 20 dernières années ont été marquées par une très forte croissance du secteur agricole. Vous voyez dans la courbe à droite, le taux de croissance de la production agricole, du PIB agricole exprimé en dollars de 2015. Et vous voyez que les années 60 jusqu'aux années 80, le taux de croissance était relativement faible. Mais à partir des années 2000, le taux de croissance de la production agricole, la valeur du PIB agricole, a sensiblement augmenté. Ça s'explique par un certain nombre de paramètres que je vais citer tout à l'heure. Et concrètement, ça se manifeste à travers une augmentation considérable de la production agricole. Donc, pour les céréales, sur les 20 dernières années, la production a augmenté de presque 80%, en moyenne, bien sûr. Ce sont des chiffres qui comparent la moyenne de la période 1995-1999 et la moyenne de la période 2016-2019. Donc, vous voyez qu'entre les deux, le taux de croît de la production est de 79% pour les céréales. C'est la plus petite performance du secteur agricole. Par contre, pour les fruits et légumes, c'est pratiquement 400%. Pour la pomme de terre, c'est 340%. Et pour l'olive, pour les agrumes, pour les dattes, pour le lait, le taux de croît est vraiment très important. Et donc, vraiment, aujourd'hui, le secteur agricole représente un PIB. En 2021, il était estimé à quelque chose comme 25 milliards de dollars, et qui représente en moyenne entre 12 et 14% du PIB national. Alors, qu'est-ce qui explique cette croissance importante du secteur agricole les 20 dernières années? J'ai retenu, à titre illustratif, trois forces motrices de cette dynamique. D'abord, deux forces motrices qui sont en lien avec la demande. La demande sur les produits agricoles est très importante. Elle est tirée par deux paramètres. D'abord, la croissance démographique qui est restée très élevée en Algérie les 20 dernières années. Après avoir connu une sorte de tassement les années 90, la croissance démographique a repris les années 2000-2010 et on est aujourd'hui à quelque chose comme 1,9% de taux de croissance annuel, alors qu'en Tunisie, pour les 2-3 dernières années, elle est de l'ordre de 0,9%, au Maroc 1,3%. C'est juste pour vous dire que nous avons une dynamique démographique qui reste très importante, l'équivalent de 1 million de nouvelles naissances en Algérie chaque année, et donc ce qui fait que la demande ne cesse d'augmenter d'une année à une autre. Il n'y a pas que la demande absolue, il y a aussi une demande solvable, et cette demande solvable s'exprime par l'amélioration du pouvoir d'achat, qui peut être mesurée à travers deux indicateurs: l'augmentation dans la courbe d'en bas du revenu par tête par habitant les 20 dernières années, qui n'a cessé d'augmenter, bien sûr, qui évolue au gré du cours de pétrole, mais on est aujourd'hui presque à 4 000 dollars par habitant par an en moyenne, alors qu'à un moment, ça a presque atteint 6 000 pendant les années 2004, entre 2011 et 2014. Mais c'est en train de reprendre à la hausse, et donc il y a ça. Il y a aussi un autre élément important, c'est la politique des subventions des biens alimentaires. En Algérie, le gouvernement, depuis l'indépendance, soutient les prix à la consommation des produits de base, notamment le pain. Son prix n'a pas bougé depuis 25 ans pratiquement. Le prix du lait, le prix du sucre et le prix des huiles végétales. Donc, ces trois produits de base, leurs prix sont soutenus. Donc, la demande sur ces produits-là ne cesse d'augmenter. Et ce sont, vous allez le remarquer, les produits sur lesquels nous avons un déficit de production nationale et pour lesquels nous recourons le plus au marché mondial et qui constituent l'essentiel de la facture des importations de l'Algérie, qui s'élevait en moyenne jusqu'à 2020 à hauteur de 8 milliards de dollars chaque année, et qui, depuis 2021-2022, suite à un renchérissement des prix des produits agricoles sur le marché mondial, a un peu atteint l'équivalent de 10 milliards de dollars ces dernières années. Les chiffres ne sont pas encore publiés, mais ça tourne autour de 10 milliards de dollars chaque année. Et c'est essentiellement composé de blé, parce qu'on ne produit pas assez par rapport à la demande, le pain étant subventionné. Le blé tendre, essentiellement, nous importons en moyenne chaque année l'équivalent de 7 millions de tonnes. Et c'est aussi le cas du sucre et des huiles végétales que nous importons presque intégralement. Mais c'est aussi le cas du lait,
pour lequel nous dépendons d'une grande partie du marché national, même si la production nationale a connu, à partir des années 2012, une certaine croissance assez marquée. Et puis, il y a eu quelques petits problèmes dans la régulation de la filière. Peut-être Sibosov nous dira un mot tout à l'heure. Mais la filière était bien partie pour se développer grâce à une politique publique assez d'intégration verticale et de soutien à l'intégration verticale qui était bien pensée au début, mais avec des petits problèmes de mise en œuvre que j'espère seront dépassés bientôt et qui pour permettre un peu la relance de cette filière. Alors, pour ces produits-là qui aujourd'hui constituent l'essentiel de la facture des importations, il y a une volonté politique de développer leur production au niveau national, en misant essentiellement sur la mise en valeur dans le sud, dans le Sahara. Donc il y a une politique ambitieuse de développement de l'agriculture saharienne à travers la mobilisation des eaux souterraines et à travers la mobilisation aussi d'aides publiques assez conséquentes pour la promotion de gros investissements dans le secteur agricole, notamment autour des céréales, mais aussi le lait, et éventuellement, probablement, le sucre et les graines oléagineuses. Alors, une autre force motrice, donc je viens de dire, voilà, une autre force motrice qui explique un peu la dynamique du secteur agricole les 20 dernières années, c'est une politique agricole volontariste. Dès 2000, en 2000, le gouvernement a mis en place une politique à travers laquelle il a injecté énormément d'argent. Ça s'appelle communément en Algérie le PNDA, le Plan National de Développement Agricole, qui est devenu une sorte de un plan très connu par les agriculteurs parce qu'à travers ce plan, le gouvernement a mobilisé énormément d'argent public d'aide à l'investissement à la ferme. Et c'est à partir de là que beaucoup de renouvellement des vergers arboricoles, mais aussi réalisation de forages, mais aussi équipement des fermes à travers donc, tout type d'équipement agricole ont été subventionnés pendant pratiquement 6 à 7 années. Et suite à cette politique, donc, il y a une extension très rapide des superficies irriguées. On le voit sur la courbe, comment les superficies irriguées sont passées de moins de 400 000 à peu près au début des années 2000 à quelque chose comme 1,5 million aujourd'hui en l'espace de 20 ans. C'est quand même une croissance assez phénoménale et qui se fait essentiellement par la mobilisation des eaux souterraines. Bien sûr, il faut le faire. Maintenant, il y a une conscience que ces eaux, il faut les préserver et qu'il faut mettre beaucoup de moyens aussi sur les techniques économisatrices, sur la régulation de l'accès aux nappes. D'ailleurs, dans la première politique dont je vous parlais tout à l'heure, le PNDA, l'un des éléments qui était soutenu d'une manière importante, ce sont les techniques d'irrigation économisatrice d'eau. Le goutte-à-goutte était donné gratuitement aux agriculteurs, justement dans une logique de, à la fois de développement des superficies irriguées, mais d'amélioration de l'efficience de l'irrigation et d'économie d'eau, sachant que c'est une contrainte quand même structurelle. Nous sommes dans un pays semi-aride où l'eau est une contrainte structurelle, même si on a des réserves importantes, il faut quand même les préserver. Donc, en plus de cette politique de subvention massive des investissements à la ferme, il y a aussi une volonté de déverrouiller l'accès aux facteurs de production, notamment le foncier, qui a commencé déjà bien avant, donc à partir des années 80 et 90, le gouvernement a commencé une politique de facilitation d'accès au foncier public à travers une politique d'attribution dans le cadre de la concession de 40 ans. Donc tout investisseur algérien intéressé par mettre en valeur des terres dans les zones semi-arides et arides sur les domaines privés de l'État, l'État peut lui donner des concessions de 40 ans et souvent avec des aides aussi. Donc il y a un déverrouillage de l'accès aux fonciers, il y a aussi un déverrouillage de l'accès à l'eau parce que avant 2005, avant la loi sur l'eau de 2005, il y avait une sorte de flou sur l'accès aux nappes. À partir de 2005, il y a une loi sur l'eau qui codifie l'accès à la nappe et qui est relativement appliquée d'une manière assez, je dirais, pas laxiste, je dirais, avec une certaine, pas beaucoup de sévérité, ce qui permet un peu le développement de l'irrigation d'une manière. Donc c'est un peu ça ce qui a permis le développement de l'agriculture ces deux dernières années. Alors aujourd'hui, on est conscient, enfin le gouvernement est conscient, mais nous, en tant que communauté académique aussi, et on ne cesse pas d'attirer l'attention du gouvernement sur ça, que le modèle de croissance basé sur la mobilisation de plus en plus de ressources naturelles, foncières et eaux, a des limites et qu'il faudrait probablement changer de modèle de croissance.
dans lequel on va découpler la croissance de la mobilisation des ressources naturelles. Et cette tendance est vraiment bien perçue. Il y a une volonté aujourd'hui d'aller vers l'amélioration de l'efficience de l'outil, l'amélioration de l'efficience et de la productivité des facteurs, et à travers le soutien public ciblé qui améliore justement l'efficience de l'utilisation des facteurs naturels, eau et terre en particulier. Alors, troisième force motrice de cette dynamique agricole soutenue, ce sont les investissements privés. Alors, toute cette dynamique, je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'argent public qui a été injecté, oui, mais c'est beaucoup d'argent privé aussi qui a été injecté durant les 20 dernières années, et ce, essentiellement à travers deux catégories d'acteurs. Il y a émergence, à partir de l'agriculture traditionnelle, de nouveaux entrepreneurs agricoles, de nouveaux profils d'entrepreneurs agricoles très dynamiques, jeunes, innovants, et qui sont en train de faire des choses super intéressantes sur le terrain, souvent de taille très moyenne. Alors, quand il s'agit de cultures maraîchères, c'est quelques hectares ou quelques dizaines d'hectares maximum. Quand il s'agit d'arboriculture aussi, mais qui sont très performants parce qu'ils innovent et ils trouvent des solutions à des problèmes, ils produisent des nouveaux produits pour le marché, etc. Il y a aussi l'arrivée sur le secteur agricole de grands investisseurs, des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des entreprises publiques et privées qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire ou qui sont d'ailleurs des autres secteurs et qui viennent investir dans le secteur agricole, et ces entreprises-là vont plutôt vers les grandes surfaces dans le sud. Mais c'est, de mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est plutôt les premiers qui sont les plus impactants sur le secteur agricole, et c'est eux qui portent aujourd'hui la dynamique agricole parce qu'ils ont un effet de tache d'huile qui est fantastique. Ils innovent, ils diffusent l'innovation, ils apportent le progrès dans le milieu rural, ils sont en train de faire vraiment des choses super intéressantes. Et puis, il y a aussi, bien sûr, diversification et densification des chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires. Alors, il y a beaucoup d'entreprises d'importation d'équipements et d'intro agricoles qui se sont installées et qui ont recruté des ingénieurs et qui accompagnent les producteurs et qui s'installent dans les zones de production et dans les pôles qui sont en émergence. Et tout ça, ça crée un écosystème qui permet l'innovation et qui permet aux agriculteurs d'améliorer leur performance. Beaucoup de zones de production sont devenues récemment de vrais pôles, des vrais pôles au sens où il y a à la fois les agriculteurs et qui produisent, mais il y a aussi tout l'écosystème qui gravite autour d'eux, les vendeurs d'intrants agricoles et d'équipements qui font aussi d'autres services, qui font pas que vendre, mais qui font aussi de la du conseil technique, qui donne parfois du crédit et qui aide en termes d'accès au marché, etc. Et qui vraiment s'entraîne dans certaines régions de faire des choses super intéressantes. Ça, c'était le secteur agricole et ses performances de ces 20 dernières années. Il y a aussi le secteur agroalimentaire. L'agro-industrie est un secteur qui est très développé en Algérie, très développé relativement, bien sûr, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est la première branche de l'industrie en Algérie. Il pèse 50% du PIB industriel. Il est composé de pratiquement de plus de 20 000 entreprises, pratiquement dans tous les secteurs. Il y a des secteurs qui sont des secteurs très pesants, comme le secteur des semouleries, minoteries et les pâtes. Il y a le secteur des huiles, le secteur de sucre, où on a de grands leaders nationaux. Mais il y a aussi beaucoup de PME qui sont dans la filière boisson, qui sont aussi dans la transformation de fruits et légumes, dans la biscuiterie et chocolaterie, etc. Il y a beaucoup, un tissu industriel dans l'agro-industrie qui est très développé et qui contribue d'une manière significative au PIB, 2,5% du PIB global, pratiquement la moitié du PIB industriel, hors hydrocarbures, bien entendu. Et l'inconvénient de cette industrie agroalimentaire, c'est qu'elle était extravertie. C'est-à-dire que la matière première, essentiellement la matière première de toute cette industrie, était importée de l'étranger. Les équipements aussi sont importés de l'étranger. Alors, ça posait problème, bien sûr, avoir un tissu industriel super intéressant, mais qui n'a pas d'effet d'entraînement sur le secteur agricole. Le gouvernement essaie de changer un peu les choses en mettant des incitations à la fois fiscales mais aussi réglementaires pour pousser les industriels qui aujourd'hui sont établis à aller faire des
d'intégration verticale et aider soit eux-mêmes produire, soit aider les agriculteurs à produire. Il y a une très bonne expérience qui a été menée avec un relatif succès dans la filière tomate industrielle, qui était pendant les débuts des années 2000 très déstructurée, très aussi comme le reste de l'économie agro, l'économie plutôt l'industrie agroalimentaire. Mais grâce à une politique d'intégration soutenue par l'État, et une politique de tarification aussi des importations du triple concentré de tomates, il fallait donner des incitations dans les deux sens. Eh bien, cette filière aujourd'hui est en train de s'intégrer et la plupart de la matière première de cette industrie est produite localement. Et la quantité produite de tomates industrielles fraîches est en augmentation considérable. Les rendements sont en augmentation considérable parce que les industriels se sont liés avec les producteurs par des contrats de production. Ils se sont mis à porter de l'aide aux producteurs en termes de conseils techniques, mais aussi en termes d'importation de semences de haut rendement. Ils ont créé des filiales, les industriels de transformation, ils ont créé des filiales d'accompagnement des agriculteurs pour diviser les progrès techniques et accompagner les agriculteurs. Les résultats sont là. Les rendements aujourd'hui sont considérables dans la filière tomate industrielle et le taux d'intégration il est important. L'importation de triple concentré de tomates est aujourd'hui très très limitée. C'est juste pour dire qu'il y a pour certaines filières une capacité d'intégration, avec les opérateurs locaux, mais aussi éventuellement avec de la coproduction avec leurs partenaires étrangers. L'industrie agroalimentaire est un secteur qui est assez résilient. Bien sûr, en 2000, l'année Covid qui a impacté pratiquement toutes les économies en Algérie, pratiquement tous les secteurs ont souffert, sauf l'agroalimentaire qui s'en est quand même bien sorti, on ne cesse pas de manger. Donc ça a fait quand même... Par contre, c'est aussi l'indice de production industrielle de l'industrie agroalimentaire et était nettement supérieur en 2001 par rapport à 2020 par rapport à le reste de l'industrie. Donc le rebond de l'industrie agroalimentaire après l'année Covid est spectaculairement plus important que celui du reste de l'industrie. Et même en 2022-2020, par rapport à 2021, l'indice est positif, alors que pour le reste de l'industrie, il était négatif. Ça, ce sont les derniers résultats de l'enquête de l'ONS. Après, cette industrie, qui quand même commence à devenir assez vieillotte, selon l'étude de l'ONS, a besoin de renouvellement de son équipement. Dernière enquête montre que, le taux de panne, la fréquence des pannes devient assez... problématique et donc il y a aujourd'hui un vrai besoin de réinvestissement, de rééquipement de cette industrie. Je termine avec cette slide où j'essaie de résumer quelques pistes pour le débat, hein, pas plus que ça, des pistes autour desquelles, de mon point de vue, la coopération pourrait être intéressante entre entreprises algériennes et françaises. D'abord, à l'amont de la production agricole, l'agriculture aujourd'hui est une agriculture, qu'on le veuille ou non, l'agriculture d'assemblage, c'est-à-dire les agriculteurs ne produisent pas les facteurs, ils ont besoin d'un secteur de l'amont qui leur fournisse des intrants et des équipements de bonne qualité, de disponibilité et régularité, et qui correspondent aux besoins des normes qui sont de plus en plus sévères en termes de qualité. Et donc, il y a besoin aussi d'investissements dans la chimie, notamment la chimie verte. L'Algérie, malgré le fait qu'elle soit producteur de pétrole, on produit beaucoup d'engrais, mais pas tous les engrais. Les engrais liquides ne sont pas produits localement. Certains engrais verts ne sont pas produits en Algérie. C'est vraiment des niches sur lesquelles ça serait intéressant qu'il y ait de la coopération dans ce sens. Le matériel agricole aussi, que ce soit nouveau, rénové, c'est vraiment le secteur agricole aujourd'hui. Alors, par rapport à la chimie, nous avons le taux d'utilisation des engrais le plus faible en Afrique du Nord. Et donc, et là, il y a aujourd'hui une réelle volonté politique de booster à minima cette utilisation des engrais et de préférence des engrais qui soient des engrais issus de la chimie verte. Matériel agricole aussi, le secteur agricole, malgré les progrès qu'il a réalisés, il reste quand même globalement sous-équipé. Et d'autant plus que les perspectives de développement du secteur agricole se font au sud, autour de grandes exploitations, il faut du matériel approprié, adapté pour ce type d'agriculture. Et donc, il y a vraiment un champ de développement de la coopération qui n'est pas mal. L'Algérie a autorisé à partir de 2022, l'importation de matériel rénové, agricole rénové. C'est vraiment un créneau super intéressant.
Aujourd'hui, les agriculteurs, individuellement, ils ne pourront pas importer. Par contre, si demain, il y a des entreprises ou des filières qui s'organisent autour de ça, ça serait une bonne chose pour le secteur agricole. L'emballage, ça a été dit ce matin, emballage, mais aussi l'industrie du plastique, d'une manière générale, que ce soit le plastique pour les serres, pour les serres de production, que ce soit le plastique pour l'emballage, ça aussi, ça reste donc un créneau intéressant pour l'investissement. Les services aux exploitations agricoles, beaucoup d'industriels, beaucoup d'investisseurs s'intéressent au secteur agricole, mais il y a une, comment dire, ça, je vais me tirer une balle dans la jambe en disant qu'il y a pauvreté dans l'ingénierie des grands projets, malgré le fait qu'on a beaucoup d'ingénieurs qu'on a formés, mais il n'y a pas de bureau d'études qui maîtrise l'ingénierie de grands projets agricoles. Et ça, c'est vraiment un besoin qui est urgent. Beaucoup d'industriels qui veulent mettre en place des grands projets ont ce besoin, à la fois pour les concevoir, mais aussi pour plus tard les gérer. Parce que c'est comme gérer une méga ferme, c'est pas comme gérer une ferme ou une petite ferme. Après, dans le secteur de la production, dans le segment de la production lui-même aussi, il y a des potentialités importantes de coproduction, à la fois pour le marché local, pour les produits pour lesquels il y a un déficit, notamment pour les céréales, le lait, les viandes. Il y a réellement des choses à faire autour de ces filières, notamment pour les viandes, mais aussi le lait. Pourquoi pas les céréales dans le sud, on en discutera. Mais c'est aussi pour l'exportation. Le potentiel de production d'Algérie en fruits et légumes est avéré, en termes de maîtrise technique, en termes de potentiel naturel. Déjà aujourd'hui, qu'il y a un excédent qui n'est pas encore structurellement stabilisé parce qu'il n'y a pas une demande en face qui est stable, mais il y a un réel potentiel pour l'émergence d'un excédent de fruits et légumes destinés à l'exportation. Et ça serait bien qu'il y ait une demande en face stable pour soit faire de la coproduction, soit pour intervenir à l'aval du segment de production. J'arrive donc à l'aval du segment de production. L'une des faiblesses aujourd'hui, c'est le stockage des produits agricoles. Donc il y a beaucoup d'excédents de production. Pommes de terre, par exemple, en produit équivalent de 5 millions de tonnes chaque année. Ça correspond aux besoins du marché, même avec un petit excédent. Par contre, il y a des périodes de soudure où cette production doit être stockée pour quelques mois et la maîtrise du stockage reste quand même à désirer. La capacité de stockage n'est pas au rendez-vous, mais aussi la maîtrise technique du stockage, la gestion du froid, la gestion de l'entreposage à l'intérieur. Tout ça, ça demande, ça peut être des créneaux d'investissement, de coopération intéressant. Je parle de stockage des fruits et légumes, mais aussi des céréales, mais aussi d'autres choses. Il y a la transformation. Je disais que l'agro-industrie est développée. Il y a encore beaucoup de créneaux sur lesquels la transformation pourrait être un créneau intéressant, notamment pour la transformation des fruits et légumes, les excédents de production. Avec tous les excédents de production de pommes de terre, nous n'avons pas de vraie industrie de frites surgelées. Nous n'avons pas une vraie industrie de purée, etc. Donc il y a réellement besoin, dans certains créneaux, d'installation d'unités en coproduction ou en investissement propre. Et puis, j'arrive au dernier point, qui est la commercialisation. Alors, les marchés agricoles aujourd'hui connaissent un grand problème de fluctuation de l'offre et de la demande, parce que nous n'avons pas encore émergence d'opérateurs de taille suffisamment importante pour essayer des donneurs d'ordre au secteur de production agricole qui créeraient justement une certaine stabilité. Nous avons une évolution, une atomisation de l'offre et une atomisation de la demande, un système de commercialisation ultra-atomisé avec de petits commerces informels. Et cette structure du commerce, de la chaîne de l'aval, de commercialisation, fait qu'il y a des prix au yo-yo parce que l'information sur la demande et sur les prix circule souvent avec un décalage d'une année, ce qui fait que l'année d'après sera différente de l'année d'avant. Et le mécanisme qui a permis aux pays développés de sortir de cette situation, c'est l'émergence de grands centrales d'achat, des grandes surfaces de distribution qui deviennent des donneurs d'ordre et des régulateurs de la filière. Je m'arrête là. Je vais donner la parole aux deux panélistes qui sont avec moi. Je commence
par ces Bossouf pour nous dire un mot sur la filière bovine d'une manière générale, mais bovin laitier en particulier, qui est une filière sur laquelle l'Algérie est déficitaire, mais qui a un potentiel de développement important. Monsieur Bossouf. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous voulez bien vous présenter avant de... Je suis M. Boussouf, je suis un producteur de lait. Au début, c'était très difficile chez nous en Algérie parce qu'on n'avait pas des élevages professionnels. On avait des élevages de famille, 4, 5, 6 vaches. Et grâce à l'aide de nos amis européens qui nous ont aidés à nous structurer, à former notre personnel, maintenant on ne se plaint pas, on est arrivé quand même à maîtriser la situation. Actuellement, on est à 2000 vaches. On est en train de créer une pépinière de génisses pour diminuer un peu l'importation. On est sur un projet de 1000 chèvres laitières. On a des hangars. Actuellement, l'Algérie, elle est autosuffisante en ce qui concerne les viandes blanches. Nous, personnellement, on produit presque 6 millions de sujets par an. Mais surtout avec les encouragements de l'État. Ce que donne l'État comme subvention pour le lait, comme on dit, chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Chez nous, l'avantage, tout ce qu'on produit, il est vendu à l'avance. Donc, c'est un avantage. Et on espère que ça va s'améliorer dans les années à venir. On est les pionniers à faire une grande ferme. Mais je vois que maintenant, il y a beaucoup d'Algériens qui veulent investir dans ce créneau, surtout particulièrement au sud. Là où il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'ensilage, il y a beaucoup de trucs. Ça, c'est en ce qui concerne le côté lait. Parce que même, je pense, ici en Europe, des fois, vous avez un problème pour la vente de lait. Chez nous, c'est le contraire. L'État nous encourage à nous donner des subventions, nous encourager à créer les pépinières. Sur chaque génisse arrivée à un certain âge, elle vous donne 70 000 dinars. C'est l'équivalent de combien d'euros? Sur chaque génisse, elle nous donne l'équivalent de 70 000 dinars. Donc, de ce côté-là, je vois un avenir, un bon avenir pour la filière lait. Est-ce que vous pouvez présenter votre groupe avant? Notre groupe, il se compose à peu près de 1008 personnes qui travaillent dans le groupe. On a commencé par importer les produits vétérinaires de la France, plus particulièrement du laboratoire Vetoquinol. Et après, on s'est lancé dans l'aliment. Après, on s'est lancé dans la fabrication d'aliments de bétail. Et après, on a fait l'élevage du poulet de chair pour l'engraissement. Et juste après, on a fait notre repro. On fait le poussin ici en Algérie. On est à peu près à 700 000 sujets. Et on a commencé la vache laitière. Et maintenant, le futur projet dans les perspectives, c'est de faire 1000 chèvres laitières. Et on possède 1300 hectares pour tout ce qui concerne l'ensilage de la vache et je pensais tout. Ce qui est intéressant, c'est... Alors, ils ont un groupe qui est presque totalement intégré. Ils produisent l'aliment de bétail, ils produisent aussi le matériel génétique, ils produisent du produit fini pour le marché. Mais l'État donne 500... l'équivalent de 500 euros pour chaque génisse produite. Et ça constitue un élément important pour le développement C'est normal, ça nous encourage premièrement à inséminer on utilise la semence sexée, que la plupart du temps on l'importe de France par le biais du CNIAC. Et ça nous encourage, quoi. Et pour les mâles, on les engraisse et on les vend pour l'abattage. Très bien. Ça, c'est grosso modo. Avant, au début, on a rencontré des problèmes immenses en ce qui concerne la main-d'œuvre. On n'avait pas une main-d'œuvre qualifiée. On était obligé de faire appel à des étrangers, particulièrement français, italiens. Et maintenant, ça va, on commence à
À former. Et puis surtout à mécaniser aussi. Mécaniser dès le départ. Très bien. La Texas, on reviendra peut-être vers la filière. On donne la parole à Simili pour nous présenter un peu le CNIF, le Conseil interprofessionnel. Je n'ai pas l'habitude. Non, mais c'est très bien. Ça se passe très bien. Simili, le CNIF céréales et puis la filière céréale d'une manière générale en Algérie. Bonjour tout le monde. Bon, moi c'est Simili Hessen. Je suis le vice-président du Conseil interprofessionnel des céréales chez nous. Donc c'est un conseil. Bon, notre rôle, c'est de gérer un petit peu tout ce qui se passe dans la filière des céréales, les contraintes de production. Enfin, le tout, c'est ça, c'est notre rôle. Bon, la filière céréale, comme vous le savez, donc il y a une certaine ressemblance. Bon, on est dans le bassin méditerranéen, la rive sud de la France et la rive nord de l'Afrique. Il y a une ressemblance sur le climat. Donc, nous, on essaye on veut avoir une autosuffisance dans la production des céréales. Ça, c'est un objectif que les pouvoirs algériens ont mis. Donc, la profession essaye d'arriver à un point positif. Il y a une progression dans la production. Donc, on est passé sur des quantités. À chaque année, on a 10-15% de mieux. Donc même avec l'investissement de l'agriculture saharienne, ça commence à s'installer, elle donne des fruits de ces projets-là. Donc on espère avoir une autosuffisance d'ici quelques années, si c'est possible. C'est, d'une manière générale, c'est ça. Bon. Maintenant, l'agriculture, comme tous les domaines, elle se développe dans le monde. Il y a la technologie, qui est en train de s'introduire dans tous les secteurs. Et sur l'agriculture, ça commence à donner des fruits, à augmenter. Bon, les premiers temps, on croyait faire augmenter des rendements, c'était pas facile, mais en introduisant des technologies un peu avancées, il y aura un résultat dans tout ça. D'une façon générale, c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être qu'on va donner la parole à la salle. S'il y a des questions, allez-y, présentez-vous. Bonjour. Oui, on vous entend. Je suis Anthony, je travaille pour HDRL. On est un acteur météo mondial. Et tout à l'heure, vous entendez parler des ressources en eau, des difficultés à garder. Merci beaucoup. Des difficultés à garder les nappes phréatiques, du moins les conserver. Et puis vous parliez aussi du coup de toutes les plantations irriguées qui grandissent de plus en plus. Mais vous n'avez pas trop parlé de météo. Donc je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que l'Algérie fait en termes d'infrastructure météo pour répondre à tout ça. Et puis, in fine, je pourrais aussi vous présenter ce qu'on fait si vous voulez. Merci. Alors, honnêtement, infrastructure météo, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je sais que nous avons un office, comme tous les pays qui ont un office de météorologie, qui fait de la prévision, qui essaie. Alors, de ce que je connais, c'est qu'ils essayent de maîtriser les data au niveau micro-local pour pouvoir produire des systèmes de prévision, etc., au niveau local. Ça, il y a une volonté d'aller dans ce sens. Mais je ne connais pas exactement qu'est-ce qui se fait sur le domaine, sur la question. Nous, au niveau de notre université, on a beaucoup d'équipes qui travaillent aujourd'hui sur l'impact de la variabilité climatique sur les zones céréalières en appliquant des modèles mathématiques mobilisant justement les data internationales. Ça, on sait faire. Il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur ça. Et l'idée, justement, c'est d'aller mesurer au niveau local l'impact justement de cette variation. Et au final, pouvoir produire des modèles prédictifs sur le climat à court terme pour mieux orienter la conduite des itinéraires techniques au niveau des agriculteurs. J'avoue que sur le terrain, on n'est pas encore là. Sur les laboratoires de l'ONM, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Sur nos laboratoires, j'ai des collègues qui travaillent beaucoup sur ces questions, mais on n'est pas encore à maîtriser les modèles pour pouvoir faire des prédictions
fines, etc. Et donc, j'aimerais bien discuter après avec vous sur ça et je serais ravi d'apprendre de vous sur ces questions-là. Ou même maintenant, si vous voulez. Au moins, en tout cas, nous donner les grandes lignes. Ok, merci beaucoup. Ah, si, c'est bon. Merci beaucoup. Non, ben, si vous voulez, pour vous donner un exemple, nous, on est par exemple, on est implanté en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on est d'abord arrivé pour fournir des infrastructures météo à l'État ivoirien, dans un premier temps, pour la protection civile. Mais aujourd'hui, la donnée météo, comme toute donnée, elle a plein d'applications, et on l'applique également pour l'agriculture. Donc, on a commencé à accompagner des grands agriculteurs en Côte d'Ivoire, notamment sur les cultures de palmiers et puis du cacao. Et en fin de compte, on a une application et des capteurs qu'on développe, Made in France, hardware, software, qui s'est créé par nous. On a développé des petits capteurs qu'on peut installer un peu partout et on peut aller jusqu'à 2 heures de prédiction avec, en gros, nos capteurs font le travail d'un radar météo, d'un pluviomètre, d'un pluviographe et également de récupérer les données de température, pression, humidité. Donc tout ce dont on a besoin pour l'agronomie d'une plante. 2 heures de prédiction, oui. Fiable à 100%. En fait, c'est nous qui observons la météo. Alors, je peux rentrer dans les détails si vous voulez. j'ai un capteur avec moi, si vous voulez. c'est plus simple. En gros, on installe ce petit capteur derrière une parabole télé. Et on fait de la low-tech, si vous voulez, dans un sens. On utilise la parabole télé et on observe en fait les satellites de télécommunication. Comme vous le savez, il y en a partout autour de la Terre. C'est une vieille technologie. C'est assez facile d'aller installer une parabole. On a tous eu au moins une fois accès à la télé satellitaire et on a tous au moins une fois été embêtés par la pluie quand on regardait la télé. Et en fait, quand on perd la télé, qu'est-ce qui se passe? On perd le signal. Et donc nous, on vient analyser cette perte de signal et on la recrée en carte de pluie en 3 dimensions. Et on a une résolution de 500 mètres. Mis à jour toutes les minutes et jusqu'à 2 heures en avance. Et donc ça, on vient le mettre derrière une parabole. Ça coûte très peu cher et ça permet d'équiper très rapidement, très simplement. Et c'est autonome en énergie. Ça envoie les données tout seul sur nos réseaux. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Et après, avec ça, on peut identifier la pluie en tout point d'un champ, par exemple, mieux irriguer. On peut aussi mieux connaître son évapotranspiration potentielle. D'accord. Et avec ça, mieux traiter. Enfin, voilà, d'accord. Beaucoup d'applications. Très bien, merci. Merci beaucoup. Madame. Je me présente, Nadal Kemar, je suis secrétaire générale de l'ANOD en Algérie et j'ai une question pour Monsieur Boussouf. J'ai eu le plaisir, il y a quelques années, de visiter votre ferme qui m'a fait grande impression, je dois reconnaître, tant en termes de superficie qu'en termes de haute technologie. J'avais encore jamais vu une ferme aussi développée, aussi belle. Et je rappelle au passage que Danone a aidé aussi au développement de votre ferme en apport technologique. Au tout début, en tous les cas. Hein. Mm-hmm. Et la question que j'ai à vous poser, c'est justement, étant donné que vous êtes aujourd'hui arrivé à ce niveau de ferme, vous parliez de 2000 vaches et d'intégration totale, est-ce que vous avez pensé éventuellement à en faire profiter peut-être d'autres fermiers, d'autres potentiels fermiers, parce que on sait qu'il y a un gros déficit en termes d'expertise, de management de grandes fermes. Et M. Daoudi le disait un peu plus tôt d'ailleurs. Et on sait que c'est confirmé également. Mais maintenant que vous avez, vous, cette expertise, il y a une telle demande en Algérie par rapport à cette filière. Est-ce que vous avez pensé à le faire? Est-ce que vous avez eu des approches d'autres fermiers, voire de l'État algérien, de vous encourager à partager votre expertise avec d'autres fermiers? Je peux répondre. Madame, on fait ça depuis un bon moment, on le fait gratuitement. Tous les gens qui viennent, on les prend en charge. On a même construit une petite école, pas une grande, pour leur montrer comment faire l'insémination artificielle, comment s'occuper du nouveau-né. On le fait déjà, madame. Et on le fait gratuitement.
parfait. Mais c'est dommage que ce ne soit pas connu. Il faudrait peut-être davantage communiquer là-dessus, parce que tout le monde ne le sait pas. Mais les gens qui s'intéressent, madame, sont eux qui viennent chez nous. Ils viennent chez nous, on les prend en charge, on leur montre ce qu'on sait. On a toujours un ou deux étrangers qui sont avec nous. On fait déjà ça, madame. Merci. Même on a créé une petite école pour montrer, on est en collaboration avec l'école vétérinaire de Constantine. Ils viennent former même leurs étudiants là-bas en ce qui concerne le vélage, les césariennes, etc., etc. Ça, on le fait, madame, gratuitement. Très bien. Ben écoutez, je ferai un peu la promotion de ce que vous faites. Merci parce que je ne le savais pas moi-même. Merci beaucoup. Et une question, puisque j'ai le micro, j'en profite. Et une question pour vous, monsieur Daoudi. Vous disiez, justement, on parle du management des grandes fermes. Est-ce qu'il y a un module à l'ENSA qui permet justement de se spécialiser dans ce domaine? De manager de grandes fermes agricoles, de grandes fermes d'exploitation. Alors, on a un département d'économie rurale. Dans ce département, on a deux spécialités, management des entreprises, mais plutôt agroalimentaire, et développement rural. À un moment, on a été sollicité par un grand investisseur pour ouvrir une option sur le management, c'est le farming management. Et on a commencé à réfléchir sur les programmes, etc. Bon, le projet est tombé à l'eau, mais c'est un projet qui nous tient à cœur. S'il y a une demande, nous sommes prêts à ouvrir une option de master, d'ingénieur sur ce thème-là. Donc il n'y a aucun problème pour ça, il y a des compétences. Sauf qu'il faudrait qu'il y ait une demande, on ne peut pas former des gens très spécialisés s'il n'y a pas une demande. Et maintenant la demande, elle commence à se faire sentir. Sauf qu'elle ne s'exprime pas d'une manière collective pour qu'on puisse répondre d'une manière institutionnelle. Parce qu'en master, on ne l'ouvre pas pour une année. Si on l'ouvre, on l'ouvre au moins pour 3-4 années. Donc il faudrait qu'il y ait... Donc si vous êtes preneur, nous, on aimerait bien commencer à réfléchir. Hein? Absolument, absolument. On est preneur. Parce qu'avant, c'était des élevages familiaux. C'est ça. Donc ils n'ont pas besoin d'un management, je ne sais pas quoi. Mais maintenant, les données changent. Je pense que ça va venir. Pourquoi nous, par exemple, on est obligé de faire appel à des étrangers pour qu'ils nous montrent comment gérer une grande ferme? Ça, c'est la vérité. Moi, j'ai formulé plusieurs demandes à l'université de Constantine. Pour former. J'ai demandé même aux écoles professionnelles pour former les petits techniciens. Mais ça reste toujours sur l'écrit. Non, alors, on se rapprochera de vous de façon à pouvoir développer ça, parce que maintenant, on sent bien qu'il y a une volonté de vouloir développer cette filière quand même. Ce qui me tient à cœur, madame. Oui, et de sortir des petites fermes, justement, de 4-5 vaches, des moments où on parle de fermes de 200-300 vaches et à fortiori de 2000 vaches. On a besoin de vrais managers d'exploitation agricole. Eh bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, allez-y. Ah, pardon. Bonjour, Axel Cardozo, Société Gourdon. Nous, on est un constructeur de remorques agricoles français. Donc, moi, mon créneau, c'est plutôt le matériel. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la présentation. Je connais pas l'Algérie, j'y suis jamais allé. Autant je connais l'Afrique de l'Ouest, mais le Maghreb pas du tout. Et là, la présentation, j'ai trouvé ça vraiment complet. Enfin, ça donne une vue d'ensemble. Et bon, voilà, merci. J'ai deux questions pour vous. La première est un peu généraliste, la deuxième un peu plus précise. La première, c'est sur le taux de mécanisation au niveau agricole en Algérie. En pourcentage, si vous avez des chiffres, mais après un état des lieux un peu général. La deuxième, elle est un peu plus logistique, parce que c'est mon créneau. J'ai retenu qu'il y avait un gros potentiel de développement agricole dans les régions du sud en Algérie et que naturellement toute la partie agro-industrie, industrie-usine qui est déjà présente et qui va venir va suivre cette production-là. On voit aussi sur la carte que l'Algérie est un très grand pays. Comment est-ce que vous voyez la partie logistique, donc c'est-à-dire à partir du moment où la culture, quelle qu'elle soit sortie du champ
jusqu'à l'étape stockage s'il y en a, et jusqu'à la partie usine. Comment est-ce que vous êtes comment est-ce que le pays est organisé aujourd'hui, et comment est-ce que vous voyez le développement logistique de la denrée agricole par la suite? Voilà. Merci pour ces deux questions. Alors pour la première question concernant le taux de mécanisation, malheureusement, j'ai pas de données parce qu'en fait, ça n'existe pas, ces données-là. On a quelques indicateurs produits à travers des études localisées sur le niveau de mécanisation qui reste très faible, à la fois dans la filière céréale qui est normalement censée être la filière qui utilise le plus de mécanisation. Et on a d'autres indicateurs indirects, notamment le nombre de tracteurs produits localement qui n'a jamais dépassé les 4000 au pic et qui, depuis quelques années, est en train de baisser d'une manière drastique. Et nous avons des indicateurs sur les importations de matériel agricole qui ont connu aussi un certain ralentissement ces dernières années. Donc non seulement l'agriculture fait une sorte d'extension, intensification, et en même temps, l'approvisionnement du marché national par du matériel agricole reste relativement faible, ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui nous sommes sur des taux de mécanisation relativement faibles. Ça, c'est en ce qui concerne les tracteurs, mais la mécanisation, il n'y a pas que les tracteurs, il y a aussi l'ensemble des autres équipements, notamment pour le céréal et les moissonneuses-batteuses, qui constituent aussi une vraie limitation pour l'extension des superficies céréalières. C'est aussi le cas pour le matériel spécifique pour les zones accidentées, pour les petits tracteurs, pour le petit matériel, etc. Donc il y a un réel besoin d'approvisionnement du marché en équipement agricole, bien sûr. Bonjour. Bon, en ce qui concerne le machinisme agricole en général, il y a plusieurs types de matériel. Si on prend le cas, le matériel utilisé au nord, c'est pas le même matériel utilisé au sud. Si on part sur le sud, c'est du gros matériel, c'est des grosses machines, etc. Si on part, par exemple, on a une industrie du machinisme agricole, mais qui n'arrive pas vraiment à suivre la demande. C'est ça. Il y a une unité, une usine qui fait la puissance de 65 chevaux. Ils ont fait des partenariats avec des groupes, avec Massé, etc. Ils sont passés à 90 chevaux en 4 roues motrices, et puis ils ont passé sur 150 chevaux. Et puis ils ont ramené du Massé qui se produit ici en France, à Beauvais, un tracteur de 180 chevaux. Il est plus adapté à notre agriculture. Parce qu'ils ont ramené du Massé qui vient de Brésil, ça n'a pas marché. Apparemment, le Massé qui est fabriqué en France, il est adapté. Parce que nous, le type de matériel, donc ce qu'on a ramené de l'occasion de France, il nous a servi à quelque chose. Il nous a servi à travailler d'occasion, oui. Pourquoi? Parce que c'est un matériel qui était adapté. C'est le même principe. Donc, on travaille avec. Pour nous, c'est plus facile d'utiliser un matériel qui est utilisé ici en France. Il est plus pratique pour nous. Bon, on peut dire que on a presque le même relief. Je vous donne un exemple. Le matériel brésilien, il venait avec des pneus étroits. Et nous, non, ici en Europe ou bien en France, vous travaillez avec des pneus larges. Donc, le pneu large, le matériel. Ça, c'était un facteur freinant du matériel brésilien. Donc, c'est ça. Donc, la connaissance du matériel, on a un savoir. On peut travailler parce que même il y a un matériel spécifique pour les régions vallonnées, accidentées, des types de moissonneuses-batteuses qui utilisaient. Même on a cherché ici en France, on a trouvé que ce type de machine, vous travaillez avec dans la zone ouest, la zone de Toulouse. Et la frontière avec l'Italie, c'est des moissonneuses à type couteau qui fait la correction à 40%. Et même le matériel qu'on a en Algérie, c'est des petites moissonneuses batteuses qui débitent, qui peuvent aller sur un rendement de 15-20. Si on veut augmenter le rendement, c'est des moissonneuses qui débitent, qui font. C'est la moissonneuse qui fait un rendement, qui récolte un rendement de 50, c'est pas la même qui fait un rendement de 20. Donc, ça, c'est une technologie qui est plus importante. Même votre société, en ce qui concerne le transport là, des céréales, c'est des remorques à gros tonnage.
On ne peut pas faire des céréales à 50 quintaux à l'hectare et on travaille avec une benne qui fait 2 tonnes. Donc on doit passer sur des remorques qui font 10, 15, 20 tonnes. C'est ça. C'est... Maintenant, l'agriculture, elle évolue dans le monde. Elle est sur la phase industrielle. C'est plus l'agriculture familiale. On a fait de l'agriculture, on fait de l'agriculture familiale. Moi, je suis tiré d'une famille agricole qui pratique ce métier depuis 1890 jusqu'à aujourd'hui. On a vu mes ancêtres ont vu la mécanisation sur l'agriculture, etc., etc. Maintenant, même la main d'œuvre. Tu ne peux pas trouver un chantier. Bon, on moissonnait une centaine d'hectares. On avait besoin de 50 ou 60 bonhommes. Maintenant, 100 hectares, on l'a fait à 2. Ça, c'est le principe. Bon, il y a de la technologie qui sont en train de s'installer. Il y a de la robotique. Même le monsieur là de la météo. Une précision de 2 heures, ça peut nous être utile pour un traitement. On perd un traitement qui coûte de l'argent en 2 heures de temps de météo. C'est ça. Donc c'est ça. Maintenant, on connaît tous les facteurs de la production, d'améliorer la production, mais ça va venir. Donc ça va prendre du temps. On